Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. Comme j'avais dit que je le ferais, j'ai trouvé la cape de Talion, alors pas celle qu'il porte maintenant mais celle qu'il portera dans toutes les vidéos cinématiques. Vous voyez que j'avais dit que c'était un plaid qu'il portait. On avait Bob Lennon et le Pagne, moi ce sera Marcus Bonus et le plaid, le truc un peu plus cosy, un peu plus agréable, un peu plus chaud. Bref, vous connaissez tout ça. Du coup, la map, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas joué. C'est quoi ça? La vision du roi. Ouh. Faire face aux Nazgûl. Oui. Les Nazgûl nous ont sûrement suivis. Ils ne vont pas être déçus de ce qu'ils trouveront. Non, effectivement. Hop là. Un ninja. Ouais, mais j'ai pas envie d'activer le truc de l'oiseau, là. Fais comme l'oiseau. Un peu d'air pur et d'eau fraîche, l'oiseau. Non. Non, bon bah je suis tout seul sur ce coup-là, tant pis. Qu'est-ce que c'est? Salut, chef. Oh. Bonjour. Ça a pu te trouver un autre copain. T'auras une vraie armée, on n'a rien de temps. Mais faut pas que t'oublies, une armée a besoin d'ordre à suivre. Et il y en a un qui a toujours du succès, le meurtre. Orton a ton partisan détripé un type qui ne te revient pas. Et t'auras les mains libres pour en buter un autre en même temps. Et n'oublie pas de tenir compte des faiblesses de la cible. Si le feu lui flanque la pétoche, y a rien de plus drôle que d'envoyer quelqu'un le cogner avec une arme enflammée. Oh, un vrai régal, crois-moi. Eh ben écoute, merci de tes conseils, je sais jouer à Pokémon. C'est parti. Sélectionner un partisan. Disons... lui. Non. Disons lui. C'est là. Est-ce que je peux voir? Sélectionner un capitaine à tuer. Un capitaine à tuer. Mais j'en connais pas d'autres. Bah écoute... les enclos à Caragor. Bah écoute, vendu. J'espère que tu... Si t'as peur des Caragors, j'aurai l'air con. Ah non, c'est une... Il a la terreur des Caragors. Bon, bah... Comment s'appelle... Ordre. En fait, je préférerais que t'ailles buter lui. Ouais, vas-y. Vas-y, parce que si t'as peur des Caragors, je te vois mal buter quelqu'un. Par contre, ils sont deux. Non, va pas voir lui. Va voir uniquement lui, au même niveau que toi. Voilà. Ce sera bien mieux parce que je pense qu'on va se faire baiser sinon. Ok. Par contre, oui, t'évites de me refaire le coup du... je vais t'empêcher d'avancer. Hop là. La vision du roi sorcier, c'est parti, on y va. Les Nazgûl vous... Ah oui, on l'a déjà lu. Bon, c'est parti, vendu. Ok. Ouh, ah oui, ils sont passés, effectivement. Et ils n'ont même pas dégainé leurs armes. On dirait l'œuvre d'Eltariel. Ah bah oui, forcément. À première vue, certains auraient fait de bons partisans. Il faut la trouver avant qu'elle n'élimine toutes nos recrues potentielles. T'es en train de me dire qu'il faut que je... Si elle la faisait, nous n'aurions plus besoin d'une armée. Hop là. Dis donc, elle doit puer des pieds pour que ça puisse s'afficher comme ça, à mon avis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, il y a un truc qui ne va pas. Ah ouais. Ok. Si vous cherchiez des Nazgûl, vous arrivez trop tard. Mais avant que je ne l'attaque, il parlait à un orc qui était différent des autres. Il y a des vers par ici. Ils nous expliqueront peut-être ce qui se passe. Bien. Si nous les capturons vivants. Dominez furtivement les archers. Si j'épargne ou non, créateur de la nuit, ne l'oubliez pas tous les deux. Dominez furtivement les archers. Vas-y, grimpe. La lame de Galadriel.
Hop, et de 1. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre qui est en train de... de faire son micro-bordel, là. Si je puis dire. Deux. Faut que je me dépêche pour aller chercher celui-là. Quelque chose vient de bouger par là. Et je suis coincé. Putain, mais... jeu de merde, quoi. Ça y est. Je ne sais pas ce que c'était. Et deux, trois. On n'a plus qu'à interroger les verts. C'est parti. Et deux, un. Bonjour. Des accords avec les spéciaux, dis-nous tout. On les appelle les cellules. Élus, pourquoi je peux pas vous dire? Bon bah, tu vas venir m'aider plus tard alors. Bon, si je peux avoir lui au passage. Bonjour! Rejoins mon armée! Non? Oui? Non? Oh, ils sont nombreux là. Bonjour Eltariel! Alors, j'ai peur qu'il se retourne, notre Grota là. La magie elfique noire. T'as entendu ? Ok, donc je crois que ça l'a réveillé l'autre. L'objectif des élus. Protéger les Aydir, ça a un rapport avec la pierre de vision, c'est tout ce que je sais. D'accord. Non, pas lui. Lui. Merci. Viens voir papa. Viens voir papa. Bonjour. Sois une partie de mon armée. Disons ça comme ça. Merci de ton aide. Non, 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 calme-toi, rendors-toi. Sois un bon orque, rendors-toi. Il paraît que cette guerrière elfe traque les Nazgûl. Elle veut tous les tuer. C'est possible, ça? Sois un très bon orque. Tu n'as rien vu non plus. Qu'est-ce que les Aydir ont révélé? Seuls les hurleurs le savent. Un très bon, un bon orque est un orque mort. D'accord. Bienvenue dans mon équipe. Je repeins au passage ton armure, ça ne te dérange pas. Oh. Plus que deux. Allons-y. Et de 1. Et de 2. Ah, ah, à la queue, le. Coucou. Dis-moi, as-tu des choses à m'avouer, enfin, as-tu des choses à m'avouer sur les élus? Les élus, d'où est-ce qu'ils viennent? Les hurleurs les créent avec un genre de rituel. C'est gardé secret. Je sais pas où ils font ça. Merci. T'es un mec sympa. Eltariel, ne le bute pas, il est avec nous. Je m'en occupe. Oui, si tu veux. Que le roi sorcier aura le palantir, les tours détenues par les élus seront ses yeux. Alors, d'accord. Il faut les aveugler. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. J'adore taper sur les Caragors.
Mais le lendemain, j'ai toujours des... Mais merde! Vous avez intérêt à pointer vraiment le centre de l'écran dans la bonne direction. C'est un peu dommage. C'est fou comment je repeins les, armures, quoi. Oui, bah fais gaffe parce que ta flèche va retomber à un moment ou à un autre quand même, hein. Fais pas le con. Oh, de plus en plus haut. Allez, vas-y, fais péter. Merde, il est trop loin. Là, ça devrait être mieux. Ah, boum! C'est pas mal. Le rituel pour créer les élus, où se déroule-t-il? Personne le sait. Quand un capitaine est choisi, les hurleurs envoient un verre pour le dévoiler. D'accord. Donc il y a un verre à choper. Stylé toi, mon petit monsieur. Ça ne la concerne pas. Nous avons notre mission, elle a la sienne. Sa mission est d'éliminer les ennemis qui nous suivent. Plus nous échangerons d'informations, mieux ce sera. Ouais. Alors, j'aime bien Talion, hein. Mais dès qu'il voit une gonzesse, il en a plus rien à foutre du reste, quoi. C'est... Comment oublier ? Ah, ils ont tué ma femme, mais... Il y a encore un bon million d'autres femmes que je peux baiser, quoi. Y a pas de souci, hein. Je suis désolé, hein. Moi, je vois que ça, hein, pour le coup, hein. Parce qu'il faut reconnaître que dans chacun des jeux, enfin, même dans le précédent, quoi, il y avait déjà une fille. Il n'y en avait qu'une. On en voyait qu'une qui était pote, enfin... Qui était de son âge, on va dire. Et qui était pas prise par un de ses potes. Mais, en dehors de tout ça... Ils ont bien voulu coopérer? Le roi sorcier se sert des Aedir pour trouver l'anneau. Il donne plus de force au Palantir. Des orques élus les protègent. L'ennemi détient peut-être le Palantir, mais les Aedir sont beaucoup plus vulnérables. Bien. Mm-hmm. Voilà. Et vous voyez, ah bah non, là il avait pas la... Tiens, regardez, là il l'a, le plaid. Haha, j'ai le même, j'ai pas les petits machins qui vont là pour l'accrocher, les petits poids. Mais... J'ai le même plaid. Je suis désolé. Vous pouvez pas dire que je n'ai pas le même. Alors il y avait un Aedir ici. Il devrait y en avoir un deuxième pas loin. Ah la vache, il y en a un juste là. Il y en a que deux. Alors soit je les vois pas, ce qui est fort possible, hein. Grom, l'amoureux de la chair. Oh, il a un super nom. Bon, on va aller quand même chercher ce palantir là. Ce Aedir là, pardon. Qui est à belle lurette. Enfin, belle lurette est une plutôt une notification d'une année, mais... Hop. Vous m'aurez compris. Alors ça m'emmerde, il y a des... Voilà. Bonjour, miam et miam. C'était pour la forme. Ok, il est sympa ce marais. Allez, on y va. Karagor, oui. Par où que c'est que c'est? C'est bien celle-là. Ok. Non, parce que si c'est pas la bonne montagne, vous savez que je fais un détour et qu'il y a par exemple de l'eau entre deux et que je peux pas passer. Bonjour! Oh, c'est stylé de pouvoir faire ça jusque sur le... Pardon, c'est pas toi que je veux. C'est l'autre... Oh, mais tu te calmes. Je ne te veux que... Aïe, et oh. Mon autorité. Mon autorité, s'il te plaît. Voilà. Ah. J'ai un truc à choper ici. Autant pour moi. Bonjour. Mémoriser. La toile du destin. Tu nous avais abandonné et la musique du monde avait perdu toute harmonie. Oh. D'arranger les choses. Un seigneur des ténèbres corrigeant les erreurs d'un autre. L'avenir est rempli d'êtres tels que lui. Tous résolus à sauver le monde de lui-même, de mettre fin au chaos. Il est pas facile à trouver celui-là.
Alors. Ah, attendez, je le trouve. Je suis en train de le trouver. Voilà. Bonjour Arachné. Ah non, au revoir, finalement. Finalement, au revoir. Sauron a succédé à Morgoth, et après Sauron... Après Sauron, la paix... Et au passage, j'ai perdu mes deux Caragors, génial. Appelons un Caragor. Téléportation d'un Caragor. Couchez les Caragors, couchez. Ok, j'en ai un. Et... Ah bah merde, je croyais que ça m'en faisait deux. Quoi ce bordel? Bon, on tue un. Bon bah ça m'en fait deux, c'est pas grave. Allons-y. Où est cet Aïdir? Ouais, tu es en train de me dire que je me suis planté de sens? Ah putain. Boum, voilà, ça prendra, tu tueras pas ma bête. La seule bête ici c'est toi. Là. Bonjour. Allez, mangez. Mangez les amis, mangez. Mangez et buvez-en tous, car ceci est leur sang. Ah, ah, ah. Pas d'alerte, pas besoin. Qui c'est qui donne l'alerte? Qui c'est qui donne l'alerte? Qui c'est qui donne l'alerte? Pourquoi ton Caragor il est ouvert? Ok. Voilà. Ton Caragor il peut être à moi? Non, apparemment non. Hop les, bonjour. Je peux déverrouiller une petite, je suis au courant. Merci, mange. Voilà. On va voir si ça te plaît à toi. Ok, ça fait du monde là pour le coup. Question, normalement je peux. Voilà. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Voilà, bienvenue à toi dans l'armée de ton maître, le Seigneur de Lumière. Tu vois, mais je te fais monter tout en haut de l'Aïdir. Voilà, qui apparemment n'est pas si surveillé que ça. Et on purifie le machin. Et Danoyon Amornion. Pourquoi pas? Ouah, tellement de bleu. Ok. Donc. Ah ah. Hashtag, tu tombes dessus, t'as du bol. Ok. Bon, apparemment, dans la base, y a pas grand chose d'autre. Hein. Ah ah ah. Pop pop. Ah oui, bien sûr. J'aime bien la portée de ce truc. Ah. Oh, oh ce serait bien là-bas, non? Non. Oh bah oui, bien sûr, à 40 millions de kilomètres, pourquoi pas? Vendu. Ah ah. Et il me reste encore deux trucs à trouver. Ah bah dis donc, tout ça pour ça. Hop. Sûrement, ouais. Why not? Et voilà, on a tout trouvé, c'est bien, on est trop fort. 2 sur 3?
Ah oui, il y en a un ici. Il y en a un ici. Ça, c'est quoi, ça? Barrage de bête de siège. Tire le chef de guerre en montant sur sa bête de siège pour tuer ses guerriers. Sympa, tout ça. Capitaine ennemi mène une chasse aux gules. Les gules, c'est pas comme si ça me... Oh, qu'est-ce que c'est? Piège immatériel. Gâche le fidèle attaque la cage immatérielle de Asteru le glouton. Il est balèze, dis donc, le machin. Alors, du mal à le louper, cela dit. Bah, on ira bien avec notre copain. J'ai envie de revoir un petit peu, parce que je sais que la série ne marche pas trop, entre guillemets. Bon, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de personnes. C'est sans doute parce que le jeu est déjà assez médiatisé par l'autre youtubeur. Là n'est pas trop la question. Oh pardon. Oh pardon, bah excuse-moi, je t'ai juste rentré dedans, mais ça a suffi à te tuer. Hop les, bonjour, qu'as-tu à me dire sur... sur notre ami, le voisin de... lui. Peur d'exécution, dégâts par attaque à distance, dégâts par exécution, dégâts par explosion. Cool. Et là, c'est quoi ça? Avant-poste de Toz, d'accord. Attirer le chef de l'avant-poste en tuant ses zoologues. D'accord, pas de soucis, on va faire ça. Ça va nous changer un petit peu pour les 10 dernières minutes. Ce sont les piliers des forces du chef de guerre. Renversons-les. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Pas de soucis, monsieur. J'aime pas quand on me donne des ordres. Mais bon, sur le principe, ça ne me dérange pas. Nous avons un point d'aptitude à débloquer. Brutalisation. Coup critique. Coup critique, ça peut être bien. Coup final au sol. Ça, ça peut être nécessaire aussi. Agression brutale. Ouh. Ouh, bah ça c'est bon ça. Hop, on va aller le chercher. Et en tout dernier lieu, on a... Représailles, pas assez de points. Réussissez votre dernière chance, au moment parfait, pour tuer instant l'ennemi qui vous vise. Oh la vache. Bon, pourquoi pas. Excusez-moi, allons-y. Il y avait quelqu'un normalement ici il y a 2 secondes. Bon, en termes de rebord, si, il y a ce monsieur là-bas. Et deux. Parce qu'en termes de rebord, il n'y a pas grand chose en fait sur cette zone. C'est surtout ça qu'il faut se dire, hein. C'est... Puisque là, il n'y en a pas. Putain, c'est pas le bon.
C'est vrai que le Tark a tué Bruce? Mais non, espèce de blague. Il l'a pris dans son armée. Putain. C'est le Tark. C'est bon. On est bon. On est bon. C'est parti. Allez, viens te battre. Pas marché ça. Pas marché. Ils sont nombreux quand même les gros tas. Hein. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, autant pour moi. Aïe, ok, je sais pas ce qu'il me fait, voilà. Arrête de bouger. Boum. Allez. On se calme, oula. Ils me font mal. Ils me font très très mal. Faudrait que je bouge encore un peu. Oula, Bakuga est arrivé. Ok. J'en ai tué 5. Il est stylé. Il est extrêmement stylé. Je pense que je vais le prendre. Ah, je prends feu d'ailleurs au passage. Parce que j'ai pris surtout des flammes. C'était impressionnant. Et ça ne durera pas. Ils m'ont repéré ? J'essaie de regarder s'il n'y a pas du... du grog quelque part, mais j'ai pas de flèche. Allez, on se dépêche, on va le chercher. Tu peux éviter de me faire ça, s'il te plaît, par contre. Tiens, bouffe! Ça fait mal? Putain, il a appelé des Caragor, le machin. C'est stylé! Ah, j'ai loupé mon seul tir! Ok. Ok. Ah, c'est bon. Il est prenable. Ah. Non, c'est pas lui. Allez, bats-toi mon... avec moi. Allez, hop. Allez, c'est bon. On peut potentiellement le choper. Non, mais c'est pas ce que j'ai fait. Putain, mais il y a une espèce de latence. Je suis désolé, hein. Ça me fait un peu rager.
Parce que plusieurs fois j'ai eu l'occasion. Ouais, c'est pas ce que je veux non plus. Il y a un... ouais, il manquait donc. Vous voyez, alors. Pendant longtemps, on m'avait dit il y a un problème dans le jeu, il manque une caméra. Un verrouillage de caméra, pardon. Eh ben, voyez-vous? Non! Pas lui! Allez, venez m'affronter! Ok, je suis dans la merde quand même. Ça y est! Edwino Oguas, recruté. T'es stylé, t'as des chiens avec toi. Merci mon ami. Bah en retraite, faut fuir là. Là on va s'enfuir. Il est stylé. On peut pas le nier, il est hyper méga stylé. Et avant-poste neutralisé. Très bien. Hop là. Y'a un Caragor brisé dans le coin. Ah ça l'a one shot. Merde, c'était pas prévu. Ah bonjour. Du genre sournois, il fera un bon infiltré. Ce qu'il faut en gros, c'est qu'un chef de guerre l'engage comme garde du corps. Et comme ça, ben, il le trucide. Bon, aucun chef de guerre engagera un garde du corps sans qu'il ait fait ses preuves. Et l'endroit idéal, c'est les fosses de combat. D'accord. On est digne de confiance quand on survit là-bas. J'en sais rien, mais c'est l'occasion de se marrer. Il est cool. Pour faire confiance à un orc, donc ça se tient. Vas-y, tente le coup. Bien, merci pour le conseil, Bruce. Pas de soucis. Bruce ! Infiltré des espions. Vendu. Un qui a une bonne tête d'espion, c'est Pug, le déchiqueteur d'os. Ouais, pourquoi pas. C'est con parce que finalement, lui... Gâche. Je lui dirais bien d'attaquer un... Un trou du cul. Ah. Ok, vas-y, va infiltrer plutôt là-bas. Ouais, c'est mieux. Voilà, il faudrait que je me concentre sur ce bonhomme, le roi des fous. Ou lui, le capitaine inconnu, qui est pas si loin. Ok. Bah écoutez les amis, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour toutes vos aventures. À la prochaine fois, nous allons attaquer un autre capitaine avant d'aller faire la quête justement pour qu'il intègre, un de nos capitaines à nous intègre, les gardes du corps d'un chef de guerre. Voilà. Salut les gens.